Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va changer d'habitude. Ce sera ni un book haul, ni un update lecture, je vais vous montrer ma bibliothèque. Parce que comme je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, je l'ai réorganisée parce que je ne voyais plus rien du tout, c'était n'importe quoi. Du coup je me suis dit, mais en fait ça fait très longtemps que je ne vous ai pas montré ma bibliothèque. En fait je vous l'ai montré quand j'ai emménagé ici, c'était quand même il y a 3 ans. Donc je me suis dit, bon là, vu que je l'ai bien réaménagé, bah, je vais vous montrer du coup comment j'ai organisé tout ça et pourquoi du coup maintenant j'y vois beaucoup plus clair. Donc c'est parti. Alors, je ne savais pas trop par où commencer, donc on va commencer par le commencement. À savoir que voilà, quand on rentre chez moi, mon salon il est quasi tout de suite à côté. Donc c'est le bas en fait de ces deux étagères là. C'est un peu un fourre-tout, voilà. Donc c'est plus là que ça va nous intéresser. La bibliothèque commence vraiment là. Alors, il y a quand même des parties misères, comme j'appelle. Genre là, ce sont des livres. Bon, ça, je les ai lus, hein, les biographies, Britney, tout ça. Mais là, ce sont des livres qu'on m'a prêtés. Ces deux-là, c'est ma copine qui me les a prêtés. Soit des livres que je ne sais pas quoi faire. En fait, je ne sais pas encore si je les vends ou si je les garde, je me tâte, et certains que je veux lire là, très bientôt. Donc voilà, ils sont là. Là, j'ai également mes petits mon petit truc, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour les post-it. Celui-là, ça fait, ça fait peut-être un mois, deux mois que je suis dessus. J'en suis à là, j'ai un peu du mal, bref, donc voilà, il est là. Ensuite, ici, donc ça a déménagé hein, par rapport à l'autre vidéo. Là, ce sont des livres de Carol from Woodland. Donc, c'est son livre d'automne et son livre d'hiver. Là, c'est des cartes postales d'anniversaire, tout ça. Une Wonderbox qui serait temps que j'utilise. Et sinon, voilà, tout le reste, j'ai mis ici donc tous mes livres Noël. Donc, il y a mes petites pop de Noël, ma petite pop Maria Carré. Donc ici, j'ai mis tout ce qui est romance de Noël. Bon, ça, c'est pas vraiment une romance de Noël, mais c'est en lien avec l'hiver, hein, d'accord? Donc c'est là, c'est ma maniaquerie de ranger par thème, etc. Et vous verrez qu'il y a des moments où je me suis complètement foirée parce que je n'y arrivais pas. Voilà. Donc ensuite, on monte ici. Alors là, c'est la catégorie « je sais pas ». Voilà. Parce qu'il y a ça, l'amour au temps du choléra. Il y a les enfants de cœur que je n'ai encore jamais lus. 10 millions d'étoiles, pareil, je ne l'ai encore jamais lu. Et ensuite, voilà, ce sont des livres. Je ne savais pas trop dans quoi les ranger. Ensuite, là, il y a tout ce qui est roman développement personnel. À côté de Perfect Love et de Millennium, ça n'a aucun sens. Nous sommes d'accord, mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, ici, c'est la catégorie jeunesse. Voilà, tout simplement. C'est une petite catégorie, des petits livres aussi pour mes petits frères et sœurs, des petits romans jeunesse en anglais, en français, un manga, Marie, là, que je n'ai encore jamais lu pour tout vous dire. Je l'ai survolé, mais je ne l'ai encore jamais lu en entier. Ensuite, quand on monte, là, c'est une étagère de... en fait, c'est des manuels, tout simplement, voilà, qu'on m'a offert. J'ai choisi la dépression, par exemple. Ce n'est pas moi qui achète ça. C'est une amie qui me l'a offert. Et pas mal d'ouvrages aussi sur le véganisme, tutti quanti, voilà. C'est truc bien-être, ou alors chef d'entreprise, boss woman, etc. Voilà, donc ça tenait pas beaucoup de place. Donc là, c'est très bien. Ensuite, ici... ici, pareil, c'est un petit peu indéfinissable. Bon, oui et non, on commence à avoir de la fantaisie. Hein? Finalement, si, ça fait sens. Voilà, y a de la fantaisie. Interfil, c'est pas vraiment de la fantaisie, mais bon. Et ils meurent tous les deux à la fin non plus, mais ça, on va dire, c'est du fantastique. Donc, je les ai mis là. Ça, pareil, ce sont quand même des romances avec un thème fantastique. Celui-là, il est... Franchement, pardon, le petit doigt. Celui-là, Un nuage dans le placard. J'ai adoré ce livre. Je l'ai lu il y a super longtemps. Mais si vous tombez un jour dessus, en bibliothèque ou quoi, testez. Parce que c'est assez particulier.
C'est pas mal. Il y a un côté science et fantastique mêlé à de la romance. C'est pas mal du tout. Ensuite, quand on monte là-haut, il y a toutes mes BD ainsi que l'encyclopédie du chat qu'on m'a offert. Et à côté, j'ai mis en fait tous mes livres qui avaient un rapport avec la sorcellerie. Voilà, les romans. Il y a Wicked, il y a aussi la saga Witch Song, Les Sœurs Carmine, bon, L'étrange pouvoir de Finley Jane. C'est ma mère qui me l'a offert il y a très longtemps, je ne l'ai jamais lu. Donc il est allé là. Et à côté, on a ce superbe ouvrage d'Alice. C'est un cadeau de ma meilleure amie. Donc voilà, il est magnifique. Donc voilà, tout ce qui est BD, roman graphique ou thème sorcellerie, c'est ici. À côté, on a toute la trilogie La Reine du Tierling qu'il faut que je relise parce que j'ai complètement oublié les tomes 1 et 2 avant de lire le tome 3. Ensuite, on a tout ce qui est Witch and God, donne-moi ton cœur. Terre brisée et le prieuré de l'Oranger que je n'ai toujours pas lu, hein, voilà bien sûr. Ensuite, on continue dans la fantasy. Donc on a tous les Margaret Rogerson, on a également les Chroniques des Fleurs d'Opale, on a la saga des Chroniques Lunaires. Ensuite, on continue dans tout ce qui est fantasy royauté, donc avec les Twin Crowns, le Prince Cruel, un sorcier noir et éternel. Là, il y a toute ma saga du sang et la cendre. Gods and Monsters, trilogie que j'ai toujours pas lue, bien sûr. Et là, vous voyez, donc, il y a de la place. Parce que donc, j'ai fait du tri. Donc, j'ai encore pour ranger d'autres sagas. pareil, dans le même thème, hein, ce sera de la fantasy. Ensuite, ici, on a à Cotard, bien sûr, Crescent City, tome 3. C'est le seul que j'ai acheté en grand format, que j'ai toujours pas lu, hein, bien sûr. J'ai pas eu non plus ni le 1 ni le 2. Ensuite, il était une fois Belladonna, que j'ai toujours pas lu. Ensuite, là, je me suis fait un petit kiff. C'est mon étagère à beaux livres Jaspage. Voilà. Donc, on a. Oh, je sais plus comment il s'appelle le tout premier. Mais ensuite, on a Force Wing, La Maison aux Ailes Déployées. Le serpent, je connais le titre en anglais, pas en français. The Serpent and the Wing of Night. Ensuite, on a tout ce qui est le pont des tempêtes, tome 1, 2, 3. Et les étoiles de Nos Ed, qui n'a pas de jaspage, qui n'a rien à foutre là, mais qui y est quand même. Voilà. Ensuite, là, j'essaie de faire un truc un peu stylé, genre en mettant deux livres debout, ma petite pop au milieu, parce que ce sont toutes mes rom-coms. Voilà. Ce sont tous mes petits livres, mes petites romances feel good. Donc voilà, elles sont là-haut. Avant, elles étaient en bas. Maintenant, elles ont bougé là-haut. Et là, c'est mon étagère à thriller. Voilà. Pareil, j'ai fait un grand ménage. Il y a plein de. Enfin, je dis étagère à thriller, il y a aussi les Guillaume Musso que je mets dedans. Mais voilà, on va dire que c'est dans ce délire-là. J'en ai quand même enlevé quelques-uns des Guillaume Musso. Et bon, au final, de toute façon, j'en ai pas des masses. Donc ça tient dans une petite étagère. Donc c'est celle-là. Et du coup, comme vous pouvez le constater, donc là on a fait le tour. Hein. Voilà. Pourquoi du coup j'ai réussi à dégager autant de place? Tout simplement parce que, en fait, avant, dans ce côté-là de ma bibliothèque, j'avais conservé tout ce qui était mes livres de romans classiques. Toutes les pièces de Molière, de Beaumarchais, tout ce qui est également texte de philosophie, tout ça, en fait, j'ai tout dégagé. Alors, je ne m'en suis pas séparée, mais ils sont tous partis dans un placard. Parce qu'au final, je me suis dit, bon, ils me prennent de la place dans la bibliothèque. Ce ne sont pas des ouvrages que je lis, voilà quoi. Je dois les lire une fois tous les 10 ans. Donc, je me suis dit, c'est pas, il n'y a pas de raison de les exposer, si vous voulez. Donc, malgré tout, le fait d'avoir tout dégagé dans un placard, ça m'a libéré de la place. Donc, l'étagère Dark Romance, avant, elle était là. Sauf que ça commençait à faire trop juste. Donc, elle est montée là-haut. Et en fait, là-haut, c'était à la base toutes mes romances de Noël. Donc, vous voyez, du coup, j'ai dégagé ça de l'autre côté. Donc, voilà, là, c'est beaucoup plus grand. J'ai plus de place. Donc, on a Insane. On a Sick Flux, ouf, qui est un genre de réécriture version Dark Romance de Alice au Pays des Merveilles. Ah.
Bon, les Den of Vipers, vous connaissez. Tout ce qui est. Oh là là. Pff, ma saga chouchou Darkverse de Runix. Ils sont géniaux. Naturellement, Hunting Adeline. Et encore mes Dark Romances. Mes Dark Romances. L'ombre d'Adeline en français. Toujours sous blister. Là, ensuite, on continue, du coup. Là, c'est plus ce qui est mafia. Et on continue Dark Romance. Dark Romance. Et du coup, j'ai toute cette place-là. Je suis contente. D'ailleurs, j'ai encore un colis Amazon à déballer. Donc, il y a encore d'autres livres là qui vont se rajouter aujourd'hui. Ensuite, là, c'est ma petite étagère. Comment on l'appelle, elle? Spicy Soft. Spicy Chouchou. Voilà. Donc, on commence donc la saga Dreamland Billionaire. Il manque le tome 3. On a tous les Twisted. Celle-là, elle n'est pas encore complète. Cette saga avec les cowboys là, de L.C. Silver. J'ai commencé également la saga Windy City. Bon, bah là, les Morgan Monkombl, bien sûr. Ça, je l'ai gardé parce que je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai revendu le tome 1. Voilà, j'accroche pas plus que ça. Je ne sais pas. J'ai envie de lire le 3. Il paraît qu'il est pas mal. Mais pour l'instant, je trouve que c'est très très soft et ça. Ouais, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Blindside. Et là, forcément, il me fallait une étagère spéciale Zodiac Academy. Donc, la voici, la voilà. Et il n'y a pas. Donc, le tome 9, il sort là bientôt en papier. Mais j'ai également l'intention de m'acheter la saga spin-off de Darkfire. Où vais-je la mettre? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà. Zodiac a sa propre étagère. Ensuite, là, à côté. Diego, brutale attirance. Alors là, ce sont. Bah, en fait, je ne sais pas trop comment l'appeler cette étagère. J'ai commencé les Villa Emilia. Pour l'instant, je m'arrête là parce que je ne les ai même pas encore lus. J'ai acheté deux tomes alors que je n'ai pas lu le premier. Bon, on a donc la saga Brutale Attirance, Berries and Greed, Les Never Kings, Le Royaume des Damnés, Savage Land. En fait, c'est un peu l'étagère à fourre-tout. Voilà, c'est l'étagère Dark Romance, Bitolite, Romance Monstre. Voilà, donc je savais pas où les mettre, donc ils sont là. C'est pas vraiment de la Dark Romance comme ça, contemporaine, hein. C'est de la Dark Romance un peu fantastique, machin nanin, donc voilà, c'est là. Ensuite, ici, bon, ça décore, hein, c'est magnifique, j'adore, ça c'est la saga de mon cœur. Et ça cache la misère qu'il y a derrière, à savoir bah, toutes mes romances olé olé. Voilà. Donc on a tout ce qui est bon bah les Sylvia Day, les Fifty Shades, bien sûr, les Beautiful Bastards. Ah ça par contre c'est Shatter Me, j'ai toujours pas lu. Donc pour l'instant ils sont là. Mais voilà, on a tous les Beautiful Bastards, etc. Donc voilà, c'est le coin olé olé. Qui, alors c'est pas que je cache, mais c'est juste que bah voilà, je trouve ça plus joli du coup de recouvrir, enfin de cacher, pardon, avec cette magnifique trilogie que j'aime d'amour, réellement d'amour. Voilà. Je poursuis. Là, du coup, on est juste en dessous Zodiac. C'est des romances contemporaines, voilà, tout simplement. Donc j'ai mis mes jolies Colleen Hoover. Et derrière, on a bah, Say You Swear, Mary Jane, My Missing Piece, ma saga d'amour, trop jeune pour elle et trop vieille pour lui. Et voilà. Ce sont des romances, tout simplement. Plus ou moins spicy, ça dépend. Voilà. Ensuite, à côté, pareil, c'est également l'étagère de romances contemporaines. Donc, on a Jason Thorne, les Emily Henry. Également les Hayley Hazelwood, encore des livres en VO, voilà, c'est la petite étagère de. C'est un peu dans le même délire, quoi, en fait, ça se suit. En fait, ça fait comme ça. Hop. Je vous expliquerai, il y a un ordre, hein. Quand je reculerai tout à l'heure, je vous montrerai comment tout est lié dans ma tête. Quand on redescend ici, on a encore, je sais pas. Ça, bah, Nani, voilà, je savais pas où le mettre. Donc, il est là. Ça, je ne l'ai toujours pas lu, mais c'est une romance fantastique, si j'ai bien compris. Une année particulière, je ne savais pas où le mettre. Donc, il est là. Des fois, faut faire des choix. Alors, j'ai commencé la Outlander. Ensuite, ici, on a bah, des romances de Age Gap, des Brittany Cecchieri,
toute la saga des Jill Shelvis, les Lucky Harbor. Est-ce que je les ai lus? Non, voilà, je ne vous cache pas, j'ai toujours pas lu, mais c'est là. Ensuite, on a tout ce qui est romance Highlander. Donc, on a ma saga des McCoy. Et là, on a toute ma saga L'Appel du Highlander, les romances de voyage dans le temps. Et un petit intrus là, les chroniques de Rokesby, que je n'ai toujours pas lu. Voilà. Là, on refait un bond dans la dark romance, avec un superbe oracle divinatoire qui n'a rien à faire ici, mais qui est quand même là. Là, c'est en fait les poches. Voilà. Donc, on a mes bad romances, on a la saga Corrupt, les Vow of Deception, et également les deux tomes supplémentaires qui vont avec les Corrupt, en fait. C'est les deux tomes. Ils sont sortis en français, hein. C'est les éditions françaises. Mais ils ne sont pas dans la même édition en poche. Je ne sais plus si c'est les tomes 3.5 ou 4.5. Enfin bref, c'est des tomes bonus, quoi. Et là, bah, tout simplement, c'est l'étagère pile à lire. Alors que dans toute ma bibliothèque, il y a plein de livres que je n'ai pas lus. Mais là, plus spécifiquement, c'est voilà. Des livres, je me dis, bon, il serait temps que tu les lises, quoi. Donc, va là en premier. Est-ce que c'est ce que je fais? Non. Qu'on se le dise, pas du tout. Mais voilà, c'est des livres que je ne sais pas si je... Enfin, si, ceux-là, je sais que je les garderai, même si je ne les ai pas lus, je sais que je les garderai. Christina Higgins, pareil, quand même, j'aime bien, donc généralement, je garde. Le reste, les Musso, tout ça, je ne sais pas si je garderai, donc voilà. Bref, c'est ici. Fallait quelque chose ici, donc c'est ça. Et donc, en fait, quand on regarde dans l'ensemble, donc on va revenir ici, une espèce d'étagère semi-pile à lire, semi-j'ai déjà lu, autobiographie, etc. Noël, jeunesse, un mix, bien-être, ta-da-da-da. On commence donc la fantasy, fantasy fantastique, BD. Fantaisie, fantastique, magie, on va dire. Et ça continue. Fantaisie, 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 fantaisie. Ah, là, on bascule romance contemporaine, thriller. On descend dark romance, romance, romance fantaisie. Romance slash dark romance fantasy fantastique, romance contemporaine. Bon, eux ils font la déco, hein, mais sinon c'est derrière romance contemporaine, olé olé, romance contemporaine ou historique, dark romance, pile à lire. Voilà, donc on a essayé de se débrouiller comme on pouvait, on essaye de faire un ordre, on serpente et tout, j'essaie d'avoir une certaine logique, même si des fois je suis obligée de composer avec la place, parce que toutes les étagères ne sont pas de la même longueur, si vous voulez. Donc voilà, des fois on ne sait pas pourquoi, la dark romance elle est là-haut, elle est là-haut, elle est là, puis ah, boum, ça redescend en bas. Bah oui, c'est des poches et l'étagère là est petite, donc voilà. Mais il n'empêche, comme je vous disais, j'y vois beaucoup plus clair comme ça. J'ai réussi à faire pas mal d'espace. Et bah, comme je vous disais, du coup, je me suis débarrassée. Donc, je vais vous montrer. C'est parce que je me suis débarrassée. Donc, là, c'est l'étagère à bordel. Déjà de certaines rom-com. On va appeler ça comme ça. Hein. Les Sophie Kinsella, etc. Ça, c'est des livres que j'ai depuis que je suis ado. J'avais pas envie de m'en séparer, mais bon, voilà quoi, c'est pas la peine qu'ils prennent de la place dans ma bibliothèque, donc je les ai mis là. Ensuite, il y a des livres, bah, les Marc Lévy, les Karen Digger, tout ça, pareil, je ne veux pas m'en séparer, mais bon, qu'ils prennent de la place en bibliothèque comme ça, en visu, on s'en fout quoi. Après, bah voilà, c'est plein d'ouvrages que j'avais quand j'étais au lycée, que je veux pas m'en séparer. Également des classiques que moi-même j'ai acheté par la suite, je ne veux pas m'en séparer. Donc voilà, il y a certaines romcom aussi, voilà, je les ai déjà lues. J'ai pas forcément envie de m'en séparer, mais j'ai pas non plus envie forcément de les avoir sous les yeux tout le temps, c'est pas nécessaire. Donc voilà, quand la question s'est posée, mais est-ce que je dois faire une autre bibliothèque dans une autre pièce de la maison? Ben non, cocotte, t'as un placard, t'as un gros placard, donc profites-en.
Et juste, voilà, il y a des livres qu'on ne verra pas et c'est pas grave. Donc voilà, un petit conseil tout con. Mais enfin, moi j'étais quand même réticente à l'idée au début, c'est ne pas hésiter à foutre des livres dans des placards. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, bon bah j'espère que cette petite revisite, mise à jour de ma bibliothèque vous aura plu. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein plein de gros bisous et on se voit la semaine prochaine, ce sera un point lecture.